Et bonjour, 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 bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Heroes of the Storm, c'est Diff. Vous l'avez vu, aujourd'hui, un nouveau, je me remets devant la caméra, allez, un nouveau patch note, mesdames et messieurs, le patch note 16.5, qui sera très court, je serai très bref, juste pour en fait vous parler d'une chose, qu'on va tester dans une game juste après, en fait ça va être ça le but, je vous parle de la modification et après on la teste en live, puisque mesdames et messieurs, si Nova, Exul et Régard ont eu des modifications dont je vais vous parler, à savoir que Nova a eu ses points de vie augmentés, sa régénération de vie augmentée et également des boosts sur ses techniques puisque son tir de précision est passé de 8 à 6 secondes en temps de recharge, hein, ce qui n'est pas rien. Le coût en mana a été réduit de 60 à 50 points. Le tir parfait, donc le talent, réduit maintenant le temps de recharge de 3 secondes au lieu de 4. Voilà, pour ce qui est du Z, du tir anesthésiant, le ralentissement est porté à 40%, et le talent troupe d'infiltration, donc qui se rapporte à ce Z, voit le ralentissement maximum augmenter à 60% au lieu de 50%, ce qui est énorme. Donc Nova, encore un up, hein, puisqu'elle galère à revenir au rang de Fufu très prisé, hein, on a vu que dorénavant, les joueurs qui la jouent très bien la troupe toujours sympa. Par contre, les joueurs qui la jouaient juste pour one-shotter, eh bien, s'en sont vus fort déconfits, hein, quand le patch note est sorti, puisque maintenant, elle est plus tactique à jouer. Mais, pour connaître pas mal de bons joueurs de Nova, je peux vous dire que les modifications qui avaient été faites n'étaient pas forcément rejetées en masse. C'est-à-dire qu'elles étaient appréciées quand même un minimum. On va passer sur Xul, qui lui a eu le nerf que eh bien certains attendaient. Moi personnellement, étant un joueur de Xul, je le trouvais cool. Non, enfin voilà. Il a eu le nerf que les joueurs souhaitaient qu'il ait, hein, et que Blizzard souhaitait qu'il ait surtout, puisque si on avait le dernier mot, cela se saurait, mesdames et messieurs. Donc les dégâts de ses attaques de base sont réduits à 104 au lieu de 115, hein, une réduction de 11 points, c'est pas dégueu. Plus 4% par niveau, bon ça ne change pas. Le trait animation de squelette donc a des talents. Donc les talents qui s'y rapportent ont été modifiés un peu. Donc vous avez maîtrise des squelettes, un bonus aux dégâts des squelettes donc qui est réduit de 100 à 50%. L'explosion morbide, donc les dégâts sont réduits de 65 à 55. Les dégâts sont réduits de 65 à 55. Bon, est-ce que je trouve pas forcément fou. Moi je le jouais pas du tout comme ça, Xul, donc ça ne me gêne pas. On testera aussi, hein, le Xulunet. Mais vous verrez. La phrase que j'ai dite en début de patch note est toujours valable, hein. Dites-vous que je suis en train de vous faire le déroulé de mon idée, mais qu'on va revenir sur une chute logique à tout ce que je vous raconte, puisque je vous ai dit, si Xul et Nova ont eu des modifications qui peuvent desservir ou servir, le petit Régard dont on parlera en dernier s'est pris une bonne grosse claque dans le visage, et on verra s'il est toujours utilisable, je pense que oui, mais on verra comment ça se passe, d'accord. Fausse spectrale de Xul, dégâts réduits de 300 à 240, c'était l'attaque la plus violente. Je pense que c'est bien. Je pense que ce nerf est totalement justifié. Le nerf de 300 à 240 points de dégâts n'est pas du tout un problème. Il fallait faire quelque chose. La faux était beaucoup trop puissante, sachant qu'il était très fort en auto-attaque, très fort avec sa faux. Il fallait. Coup en mana augmenté de 45 à 60. Bon, ça, c'est pas forcément énormissime, hein. C'est pas très, 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 très grave. Frappe maudite, réduction de la vitesse d'attaque diminuée. Donc, vous ne frappez plus aussi vite quand vous avez la faux, donc d'activer le Z, d'activer là pour faire des coups de balayette. Vous passez de 50% à 40% de vitesse d'attaque, donc ça va. C'est pas si grave. D'autant que, comme ils le disent, hein, Xul, c'est un personnage qui avait beaucoup de possibilités, qui pouvait poke, qui pouvait à moitié tanker, hein, pendant un court temps, le temps que votre tank arrive, il pouvait pile pour un assassin, ce qui était très fort, et il pouvait aussi one shot n'importe qui au corps à corps, donc il pouvait tout faire, il pouvait éviter des raiders, des machins, c'était formidable, Xul, c'est toujours très formidable, et il a un slow monstrueux et des dégâts de dément. Donc si à ça vous ajoutez tout ce qu'il pouvait faire avant, donc une faux qui découpe tout le monde et puis des vitesses d'attaque de dégénérées, c'est pas si grave. Maintenant on va passer, mesdames et messieurs, à celui que tout le monde va pleurer. Il a le droit à une ligne, hein. Mais cette ligne, c'est la pire de toutes les lignes. On nous dit quoi? Guérison ancestrale, mesdames et messieurs, guérison ancestrale, donc, tu le sais ce que c'est, guérison ancestrale, c'est évidemment le R de Régard qui faisait sa force en tant que support, ne peut plus être lancé sur Régard. Là, tout le monde va se dire, oh mon dieu, le personnage est mort, il ne sera plus joué, c'est la merde. Et à ça, je vous réponds, non, c'est totalement stupide de dire une chose pareille. Dans une partie, est-ce que vous utilisez cet ulti pour vous sauver vous? Pour sauver les potes. Vous utilisez cet ulti pour vous sauver vous quand vous êtes mal placé ou focus. Ce qui fait que vous n'êtes pas du tout... Vous êtes la cible prioritaire des ennemis,
Mais leur cible prioritaire n'est à ce moment-là plus du tout les assassins de votre team. Quel est l'intérêt de focus Rhaegar et de lui faire claquer son ulti sur lui quand toute sa team est en train de se faire défoncer par les assassins de son équipe? Je dis non. Pareil, l'ulti sur soi-même. Bah ça marche plus, très bien, mais vous pouvez toujours le lancer sur vos assassins, vous pouvez toujours le lancer sur le tank, vous pouvez toujours bait aussi fort, il faudra juste faire attention au placement de Rhaegar, le champion devient un peu moins facile à jouer, mais c'est tout. Morales n'a absolument pas de heal personnel. Est-ce que vous réalisez ça, vous qui regardez? Morales n'a pas de heal perso, zéro, et pourtant c'est un soutien qui est très fort. Et bah là ça reviendra au même, Rhaegar il a encore sa salve de guérison que vous pouvez booster pour qu'elle le heal sur la durée, c'est vraiment vraiment pas grave. En fait le seul truc c'est que si vous vous placez mal avec Rhaegar maintenant c'est punitif. Mais par contre pour votre team ça change rien, vous êtes toujours le mec qui peut les ramener de 0% à 100% PV en un coup. Peut-être par contre que en partie pro on verra plus de Karazim que de Rhaegar dorénavant puisque Karazim a toujours son ulti démentiel quand Rhaegar avait un plus facile mais ne l'a plus maintenant. Donc on verra. On verra. Je vais clôturer cette vidéo sur le patch note, mesdames et messieurs. J'espère ne pas avoir été trop long, puisque je vais, à la suite de cette petite review, faire une petite game de Rhaegar pour vous, histoire que vous voyez ce que ça peut donner maintenant qu'il n'a plus son ulti lançable sur lui-même. J'espère que ce sera pas trop long à charger. Je vous dis à tout de suite. Hey ! Et bonjour, bonjour, bonjour. Non, je rigole, on s'est déjà vu. Rebienvenue, mesdames et messieurs. Après cette review du patch, on part sur le petit Rhaegar, évidemment. Donc, crazy matchmaking, hein. Voilà, on reprend avec les naturelles insultes au matchmaking. On est content de tout ça. Ce n'est pas grave, hein, évidemment. On va tester le Rhaegar, puisque maintenant, mesdames et messieurs, ne peut être utilisé sur soi. Voilà, regardez. Voilà, vous avez certainement tous crié chez vous, mais on va tester. On va essayer d'améliorer son placement, de faire des choses intéressantes. On a deux Fufu dans la team, dont la nouvelle Nova, hein, donc on verra ce que ça donne. Vous voyez, elle a plus de points de vie qu'avant, ce qui est plutôt pas mal. On va voir ce que ça va donner tout ça. Un petit Kael'thas, très bien, sur sa monture cochon. On a pris le skin Rhaegar, de base, hein, puisqu'on revient aux fondamentaux. Voilà. On reteste des choses. On va voir comment ça se passe. Donc là, on va être tout seul contre deux gros trucs bien fragiles hein, au mid, mais on ne veut pas mourir, donc on va faire le petit coup du totem là, voilà, ça, donc le totem au bouclier hein. Faites ça chez vous quand vous voulez pas vous faire poke, vous mettez juste un petit totem avec un bouclier de foot dessus, c'est formidable, ça va permettre aux gens eh bien de constater que vous pouvez leur pêcher le visage. Alors attendez, hop, on va faire ça, hop, et voilà. Donc là mon petit pote, t'es très déçu. Et oui, la déception d'un Kael'thas qui ne s'attendait pas à cette Nova. Nous, on l'avait vu arriver, c'était notre copain, on savait les choses. Ah non, ça va être très problématique. Hein. Le poke de Liming, évidemment, mesdames et messieurs, quelque chose d'assez abomifreux. Un mélange d'abominable et affreux, hein, c'est abomifreux, évidemment, vous-même, vous le savez. TMTC, comme dirait l'autre. Je vais peut-être aller faire un petit... Non, c'est bon, c'est eux qui kill. Bon, c'est bon, je vais pas aller faire de petit gank. Par contre, Kael'thas va nous envoyer la patate, évidemment. On s'éloigne de sa ligne de creep et de ses bâtiments pour ne pas faire proc les dégâts de la bombe vivante, hein, évidemment, sur les structures, parce qu'on est quelqu'un de prévoyant. Voilà, donc on va refaire un tricky totem. Voilà, c'est très fort, voilà, c'est très bien, excellent, excellent. Il va se calmer direct, évidemment. Sergent Marteau est toujours en bas, c'est très bien. Oh, pardon. Je vais attendre que le totem se recharge, mesdames et messieurs. Et on va, voilà, lui péter la gueule, évidemment. Hein, c'est comme ça que ça se passe. T'es dans la rue, mon gars, t'es dans la rue, voilà. Alors, c'est la loi de la jungle. Non, mais je vous jure. On va prendre ça, réduit le coup en mode salve de guérison. Parce que du coup, on va se faire plein de salve de guérison, vu qu'on ne peut plus s'ulti. On va salve de guérisonner, hein, je vous le dis. Mais franchement, vous allez voir, on va faire la game. Et je vous garantis que ce sera pas très grave de ne plus avoir... l'ulti perso, donc là on a très bien vu hein, qu'il y avait Zeratul qui était là, évidemment, on lui dit tu te calmes tout de suite, hein, évidemment, voilà, tu manges un petit coup dedans, voilà, un petit coup dedans, toujours plaisir, un petit coup dedans, on va partir, on va, hop, voilà, alors je sais pas ce que t'as essayé de faire mon pote, mais c'est pas comme ça que ça marche, voilà, je l'ai mis, oh, ah non, c'est Morales, c'est petit cache, wow, maître Morales et tout, non, pas du tout. À premier tribut, je n'ai plus de mana. Alors ça va être la méga dash, mesdames et messieurs. Ça va être plutôt horrible. Donc là, on va se faire des fonces, je pense. Ah non. On va claquer un petit heal quand même. Hein. Histoire de... Hop, alors lui.
va se calmer tout de suite. Voilà, allez, tapez-lui dessus. Non, me laissez pas mourir! Oh la vache, ils sont sérieux. Ils laissent mourir leur heal. Bon bah très bien. Focus, c'est ça là. Elle a pas de mana, elle a pas de mana. Allez-y! Allez-y! Elle n'a pas de mana! Morales, oum! Morales, oum les gars là. Non? Morales, elle est quand même carrément oum. Hein. Oh allez, hey, tue-moi ça par contre. Oh voilà. Très bien. Formidable. Bon par contre vous voyez, eux ils ont un boucher qui va pouvoir go in et prendre les dégâts à ma place. Nous, prendre les dégâts à leur place. Donc ils ont un pseudo tank on va dire. Nous on en a pas, ce sera moi. Donc là, dans cette configuration, vous voyez l'ulti sur moi aurait pu être formidable. Mais je vous garantis que dans une partie où vous avez déjà un tank, ça changera pas grand chose. Puisque les très bons regards, donc ceux qui jouent à très haut niveau, pas moi par exemple si vous voulez. Pas vous peut-être, ou peut-être vous, je ne sais pas. Les regards qui jouent à très bon niveau, genre niveau 1, 2, tout ça, ils n'ont pas besoin de l'ulti sur eux-mêmes, puisqu'ils se placent de manière à ce que ce soit le tank qui prenne tous les dégâts, tous les assassins qui soient les personnes à sauver. Donc il n'y aura pas de problème avec ça. Je pense que ça va très bien se goupiller même. Puisque si vous avez besoin de mettre l'ulti sur vous, c'est que soit vous êtes en train de bait, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, hein. Ou alors faut être sûr que ce soit la game gagnée de votre point de vue. Donc là par contre, elle on va faire en sorte qu'elle ne s'en sorte pas évidemment. Oh non, attends par contre on va pas, voilà. On va pas aider. Hop. Pff, oh le heal du bout des doigts mesdames et messieurs. On va l'aider lui. Hop. On va aller l'aider. Alors on va y avoir un bout. Oh ah non, pourquoi elle est revenue? Aidez-moi par contre. Parce que moi, bon, je veux bien faire ça, mais... Hop. Je veux bien healer. C'est Morales hein, qu'il faut focus. La vache. Il n'est pas bien placé. Allez, tuez-le là. Non. Tuez-le lui aussi. Ah. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pouah là là, lui il va nous tuer. Non, non. Finissez cette chose. Ils ont pas focus Morales. Ils ont pas focus Morales, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Focus Morales, please. Parce que moi, je peux pas healer tanker jusqu'à l'infini. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas next focus, n'importe quoi. Next focus, j'allais dire non, je voulais dire next tribu. Next tribu, on va faire attention les potes. Parce que moi je veux bien faire le cochon d'Inde et le jambon pendant 10 minutes, mais... Il faut que ça serve à quelque chose. Parce que là on pouvait l'avoir, hein. Si on focusait Morales les potes et on l'avait. Alors là, c'est la garantie. On va y aller à fond, on va voir. Faudrait qu'on ait le 10 en fait avant qu'ils arrivent. Ce serait trop bien. Prends le 10, Liming. Grouille, grouille, grouille. Allez, allez, allez. Comme ça, je sauve quelqu'un. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle fait? Hop. Allez, retourne dans le fight, toi. Allez, je t'ai redonné des vies. Sérieusement. Qu'est-ce qu'ils font? Ah bah y'en a deux de morts. Ah bah non, c'est bien. Juste, attends, va falloir que... Oh, il m'a focus, le salopard. Ah. Ah là 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 là, allez tuez-le, tuez ça là. Allez, voilà, très bien. Voilà. Alors. Donc là, bon bah l'ulti, il m'aurait pas aidé, parce que de toute façon je l'avais déjà claqué sur quelqu'un. Donc c'est pas un souci. C'est pas un souci. Vous voyez, hein, là ça va être le même. Maintenant, il faudra faire avec Rhaegar ce qu'on faisait avec Morales. En gros, il faudra le focus.
le focus pour l'écarter un petit peu du fight, parce que lui il pourra pas revenir dans le fight. À partir du moment où il a claqué son Q, Rhaegar, et que vous l'avez un peu éloigné, il faudra qu'il revienne, s'il a plus de PV, il faudra qu'il revienne pour claquer son ult sur quelqu'un. Mais s'il a plus de PV, il pourra plus claquer son ult pour revenir healer ses potes. Donc ce sera vraiment la solution. Vous le mettez dans les AOE, vous le faites back, et puis là il y aura plus de problème. Ce sera une affaire réglée. Une affaire qui roule. Il faudrait faire un camp, mesdames et messieurs les copains. Ah merde, il y a un tribut. Va falloir qu'on y aille vite, les potes. Je pense... Ah oui, ils ont fait le boss, donc ils sont en train de pusher avec. Bon, si on prend le tribut, c'est tout bénef. Oh la vache, alors ça, non, alors ça, c'est pas tout bénef du tout. Alors qu'on fasse des choses. Ah bah, qu'est-ce qui... Ridicule. Bon, ils ont eu le tribu et le boss, ça c'est vraiment dommage. Ça c'est tout bad, mais bon, lui il se suicide, donc... Je sais pas trop quoi en penser là, mesdames et messieurs. C'était vraiment un trade pourri. Il y a Kael'thas qui est en haut avec le boss, mais c'est Liming qui va dépush, donc au final, c'est pas si grave. Oh non, elle était trop loin. Alors ça c'est stupide d'avoir fait ça. Elle s'est juste barrée trop loin. Elle était revenue, si elle était revenue vers moi, elle avait son heal. C'est sûr. On va prendre le Vifter, parce que j'aime bien ça. En gros, ça met un soin sur la durée sur les personnes qui ont trop peu de points de vie. Donc je crois que c'est... qui ont les points de vie inférieurs à 50%. Donc sur Rhaegar, ça va lui permettre de claquer son heal sur lui-même. Ce qui est plutôt, plutôt sympa. Bon, elle va se prendre un coup de croc-croc dans la fesse. Nous, on va essayer de se sauver les miches. Voilà. On l'a sauvé, elle. Et là, vous voyez, hop. Lui, c'est cassé. Mais on n'est pas mort. Ça, c'est l'essentiel. Alors, dès que vous avez la petite feuille sur la tête, en fait, c'est que vous pouvez faire proc le Vifter. Hein. Donc, vous voyez, vous avez le soin sur la durée. Je trouve ça plutôt fort sur ce Rhaegar. Ce Rhaegar-ci. Hop. Bon, vous voyez, on est à 24k de soins. Elle a 40k, mais elle fait que ça. Enfin, en fait, le lieutenant Morales, à part soigner, elle fait rien. Alors que Rhaegar, vous avez un slow monstrueux. Vous avez vraiment de quoi trade violemment. Ah, j'ai pas d'ulti, par contre, les potes. Hein. Si. Hop. Ah, la vache, c'est à tous les morts. Bon, on l'aura pas. On va perdre ça. Ça sert à rien, un baquet. On peut rien faire là. Donc elle va se faire ganker par Zeratul, ça c'est sûr. Voilà. C'est sûr et certain. Donc on va def. On va def. Ouais. Bah, je sais pas ce qu'il croit lui, mais... Ah, tu es là, hein. Oh non. Oh non, tu es là, s'il vous plaît. Oh la vache. Oh, c'était ridicule. C'était ridicule, mesdames et messieurs, ce qui vient de se passer. C'est vraiment très moche. On va falloir qu'on fight correctement. Est-ce que je peux les... Ah oui, je peux les soigner, ça c'est bien. Ah, voilà, très bien. Hop, allez. Allez, tu vas faire quoi? On le body block, on le body block. Allez. Allez, on le tue. Voilà. Alors. Allez, tue-la. On va la chercher. Voilà, les coups de gris-griff. Ah non, il y a Morales. Hop. Bah nous, on suit. Ah non, bah il va mourir. Salut. Il va mourir totalement. Donc là, il va falloir qu'on fight beaucoup mieux que ça. Mais là, c'est vraiment... En fait, c'est le boucher qui nous met dedans. Puisque nous, on a double fufu. Et rien du tout pour Go. Eux, ils ont le boucher. Ils ont plein de choses sympas pour aller dans le tas, en fait. Donc ça va être très, très, très compliqué. Ça va être très, très compliqué. Mais c'est gérable. Vous voyez, là, par exemple, typiquement, c'est pas du tout de la faute de l'ulti de Rhaegar, utilisable sur soi ou non, qui change la donne. Hein.
Là, le seul problème, c'est que on a une team qui sent des pieds. Et quand vous avez une team qui sent des pieds, eh ben, vous pouvez être Jésus Jean-Michel, que ça ne change rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on va faire le totem de l'emprise de la Terre, parce que je trouve ça tellement puissant. On va slow comme des baits. Il faudrait qu'on fasse notre boss, les gars. Là. Il faudrait qu'on fight en équipe et qu'on fasse notre boss. Ce serait vraiment bien. Vraiment bien. T'en faire là. Voilà. Ce serait vraiment top, 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 moumout. Ah oui, ils sont là. Oh, go, 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 go. Go, go. Go, go. Allez, tu es ça, là. Oh, la vache. Bon, ah, c'est bon. Hop. Hop là. Alors. Alors. Gros saligo. Allez, tuez-moi ce boss. Et voilà, on les a massacrés. Et après, on ira au leur. Attention, hein, il y a... Voilà, bon, alors là, il a voulu faire le trickstase, je sais pas quoi, là. Vraiment nul. Vraiment tout pourri. Donc nous, on va juste se healer, partir dans le buisson, et le laisser se faire tuer. Alors là, je sais pas, mesdames et messieurs, pourquoi il a voulu faire ça. Mais tant pis. Par contre, vous voyez, je vois un truc très bénéfique au fait que Rhaegar puisse plus mettre son ulti sur lui-même, et ça, vous avez peut-être pas pensé, vous. C'est que... Vous ne pourrez plus misclick et vous mettre votre ulti alors que vous vouliez le mettre sur le mec qui était à côté de vous en train de fuir parce qu'il avait peur. Et ça, moi qui t'es un gros coutumier du fait, je pense que c'est une très très bonne chose. D'accord? Donc, n'en doutez pas, il y a quand même des bons points à cette modification. Moi, je pense qu'on devrait faire ça, clairement. Parce que clairement, on devrait faire ça. Par contre, si on le fait à deux... Si on le fait à deux, clairement, c'est la loose. Hop. Mais vous voyez, hein, là... Ah, Morales qui arrive. Donc là, va falloir... Voilà, on va l'embêter un petit peu. Et on prend le deuxième boss. Voilà, allez. Allez, c'en est fini de vous. Oh, la petite bombe, voilà, très très bien. On met une petite salve de guérison hein, pour sauver les potes. On... Vous voyez, on est qu'à 10k de soins derrière elle, hein, franchement... On est très bien. C'est un Rhaegar très compétent. Que nous servons là, c'est très formidable. Donc la game n'était absolument pas perdue. Vous voyez l'XP qu'on a d'avance. Juste un call. Hein. Un go tout pourri. Un go tout pourri. On avait bien soak. Et voilà. Et voilà comment ça va se terminer. Un go tout pourri dans les fougères. Ils ont voulu nous bait sur le boss. Zeratul a fait n'importe quoi. Bon bah. On prend l'avantage là-dessus. C'est comme ça que ça se joue de façon Heroes of the Storm. Il faut tout jouer sur des. D'ego calculé. Et puis tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors là, il faudrait juste... aller là-bas. Allons-y. Là, je vais prendre, je pense, le bouclier. Parce qu'il y a un boucher. Ça va me permettre d'éviter ces go. On va juste repush, en fait, avec les camps. Ils font... On les trappe là, il y a Zeratul. Zeratul est au milieu de nous là. Hop, un petit bouclier pour pas mourir avec la bombe. Et si on va quand même mourir parce que les potes sont venus nous coller. Ah là là. Donc là, vous voyez ce que je vous disais à propos du go tout pourri, bah c'est possible que ça fasse l'inverse. Que nous venions de faire un go tout pourri. Non, ça va. Bon, par contre, il reste à côté de ça. Bon, c'est bon. De toute façon, on n'y perd rien. On perd rien, parce que là, ils nous kill, ils reviennent un peu en XP et encore. Le truc, c'est qu'ils sont obligés de défendre, puisqu'il n'y avait rien à faire, à part leur petit camp là-bas. Donc, c'est pas si dramatique. Par contre, là, il faudrait qu'ils les repoussent, parce que le boucher, de toute façon, il peut rien faire contre eux. Vous laissez pas marcher dessus les copains. Voilà. En plus ça fait la petite barrière. C'est pas si bête le coup de la petite barrière là, pourquoi pas. Vraiment pourquoi pas. Donc là c'est totalement naze ce qu'ils font puisqu'ils perdent beaucoup de temps. Alors qu'ils pourraient faire leur camp. Là si on avait été rapide et efficace on aurait pu... Ah bah bon, déjà on va les buter donc c'est très bien. Si on avait été rapide et efficace on aurait pu aller
faire leur camp à eux. Je vais... Oula, il s'énerve. Regardez comme il s'énerve sur la pauvre Nova qui n'en est pas... Oh, attendez. J'y vais. Tous ensemble. Ça va être très bien pour clarifier la zone avant qu'on arrive. T'as pas besoin de te cacher, toi. Viens avec nous. Viens avec nous. Allez, salut. À plus. Mais il reste pas. Mais qu'il est. En fait, il voulait juste se prendre une bombe. Pas de problème. Ah, alors le boucher est mort. Voilà. Allez, je leur mets la bombe sur la tête. Voilà, le petit soin. Donc encore une fois, un go tout pourri. Pourquoi pas? Ça nous fait un tribut totalement gratuit. Voilà, on les troll un petit peu hein, en se décalant pour prendre le tribut de droite, de gauche, on sait pas trop, voilà. C'est formidable. On pourrait faire ça et ça. Ah non, le boss. Effectivement. Alors, je ping beaucoup trop. Alors, n'hésitez pas à ping. C'est vrai que là, vous dites, ouais, le mec spam et tout. Non, non, c'est juste que pinguer comme ça vos potes. Ça leur permet de savoir ce que vous avez en tête. C'est hyper, hyper important. C'est un jeu d'équipe. Utilisez les pings. Pas pour spam, vous pinguez pas la tête d'un mec dont vous êtes totalement. Contre lequel vous êtes totalement énervé. Oui, mais par contre, pinguer bien des objectifs, ça c'est toujours utile. Le tribut. On sait bien, boss tribu, là on va être bon, hein, le temps qu'ils vont pas revenir, ils seront pas encore 20, ils sont très mauvais en XP, vous voyez, ils sont 19, on est 21, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ils ont vraiment raté leur chose. Ah, hop, hop, on va éviter les dégâts de la bombe avec ça, puis on va l'empêcher de faire ça. J'ai pas encore l'ulti malheureusement. Hop, bon. C'est pas grave, apparemment ça passe largement. Ah, ils sont encore morts tous les... En fait, ils font des go vraiment bizarres. Donc tant pis, hein. Alors elle fait des... Peut-être qu'on pourrait faire ça aussi. On va faire tout ça. Et on va envoyer... En fait, on va envoyer les deux boss. Go comme des tardes. Et puis c'est tout. Mais vous voyez là, Rengar, hein, la force du perso, c'est juste le heal. C'est pas forcément. Bah, si, c'est le. L'ulti est toujours aussi puissant. Le fait de pas pouvoir l'envoyer sur vous, c'est pas si grave au final, hein. C'est vraiment pas ça qui me gêne dans les fights. Et pourtant là, je suis en première ligne parce qu'on n'a pas de tank. Donc vous voyez bien que, avec un peu de bonne volonté et d'huile de coude, j'ai l'impression de parler comme mes grands-parents. Non, non, mais de toute façon, dites-vous, Rengar. Toujours aussi bien, voilà. Le boss qui a fait la diff. On a très bien joué sur la fin de la partie. Le début c'était vraiment chaud. La fin c'était bien. Un ulti qui est gênant quand il est plus sur soi. Pas forcément, mesdames et messieurs. Continuez de jouer Rengar si vous l'aimiez bien. Ne vous laissez pas insulter par les gens qui auraient fait que lire le patch note mais qui n'auraient pas du tout analysé la situation. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes content de voir que votre Rengar national est toujours viable. Je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous, n'oubliez pas, vous pouvez aller sur, eh bien, comment dire, les réseaux sociaux, hein, bif tiré du 6 HOTS, H majuscule O T minuscule S majuscule, pour voir, eh bien, ce que je peux vous proposer comme chose, comme vidéo, comme tout ça. N'hésitez pas, je vous aime, vous êtes les plus beaux. Oui, puisque je vous ai dit, hein, je rajoute régulièrement les vidéos sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez les commenter, les suivre, les partager, tout ça, que vous fassiez ce que vous voulez dans le but, eh bien, de ramener beaucoup de gens qui aimeraient ce type de contenu, puisque c'est les gens qui n'aiment pas, hein, j'ai aucun intérêt à ce qu'ils viennent voir mes vidéos, bien sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous aime, vous êtes les plus beaux. À la prochaine. Hey!